Salut à tous, on va se régaler, c'est sûr, pour ce légendaire Classico. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de football. Grégoire Margoton et Christophe Dugry au commentaire. Bonjour Christophe. Ouais, bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Deux grandes équipes qui se sont très souvent croisées par le passé. On a hâte de voir débuter un nouvel épisode de cette grande rivalité. Pepe. Sergio Ramos. Un ballon toujours sous contrôle. Ils ont du mal à contrôler. Il n'y a personne dans la surface. Arrêt du gardien sur ce tir tendu. Arado. 15 minutes se sont écoulées. Pour le contre, l'arme fatale. Il n'y a aucune option dans la surface. Et le voilà! Le voilà, le premier but! Et l'ouverture du score pour le FC Barcelone. Voilà, on sent que les deux ils ont l'habitude de jouer ensemble et qu'ils sont parfaitement complémentaires. C'est vraiment l'appel qui a provoqué la passe. Oh, c'est chaud dans les tribunes après cette magnifique frappe. Quelle ambiance! Oh, il y a un bon coup à jouer. Une intervention propre et nette pour récupérer le ballon. Une très grande ouverture. Dégagement. Oh, ça, c'était un bon coup de tête. Il a manqué la précision. Oh, ça c'est un très bon ballon. C'est ça. Et il est en retard, il touche son adversaire. Coup franc. James. Dans l'espace. Cristiano Ronaldo. Dani. Cristiano Ronaldo. Oh, face à l'adversaire, il tient debout. Il ne trouve personne. Voilà une bonne maîtrise défensive. Ah, ça ne fonctionnera pas. Ouverture. Et il a remis le pied sur le ballon. Sergio Ramos. C'est la fin de ces 45 premières minutes. On espère bien sûr avoir un spectacle de grande qualité au cours de la seconde période. Ah, c'est grâce à leur solidarité, leur qualité technique et leur générosité qu'ils ont réussi à aller vers l'avant et marquer en première mi-temps. Et un tableau d'affichage qui indique 1-0 alors que les équipes se préparent à disputer la seconde période. Je suis sûr qu'on va avoir des loups. Le Real Madrid est mené d'un but. On attend maintenant la réaction. Sergio Ramos. Belle défense. Oh, but! Et un but qui leur donne deux buts d'avance. Ils sont en train de se créer une avance confortable, hein? Oh, mais comment ont-ils pu laisser un joueur de son talent aussi seul? C'est impardonnable.
Mascherano. Belle passe. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, trop loin du cadre. Mais c'est pas possible, il est tout seul, il avait tout le temps d'ajuster le gardien. C'était une chance énorme de creuser le cas. Luis Suarez. On a passé l'heure de jeu. James. Que va-t-il faire? Non, c'est pas dangereux, ça passe trop loin du poteau. Ouais, l'action était de grande qualité, mais ça pêche vraiment dans la finition. Longue passe vers l'avant. Donc ça va partir vite. James. Ce contre peut très bien aller au bout. Quelle intervention de qualité pour stopper l'attaque. Coup de sifflet normal, il est en jeu. Ah oui, c'est bien anticipé la passe de son partenaire. Mais là, c'est une anticipation beaucoup trop hâtive. Le hors-jeu est indiscutable. Presque 75 minutes écoulées. Marcelo. Et non, le ballon a été récupéré. Bon, ce contre peut aller au bout. Il est dans la surface. Ça n'échappera pas au gardien. Attention, la défense, il faut revenir maintenant. C'est du jeu brutal, coup franc. Sanction logique, carton jaune de l'arbitre. Et franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, changement, il va laisser sa place. Ça ne va pas être facile d'ici. Il a la situation en main. Il garde le ballon malgré la charge de l'adversaire. Le ballon en profondeur. Il change complètement de côté. Changement de jeu. La défense a du mal. Oh, le gardien est en danger. Oh, il a sans doute sauvé son équipe. Quelle action dangereuse. Attention, c'est parti très vite. Cristiano Ronaldo. Et voilà, le match est complètement terminé maintenant.